Bienvenue dans Génération Europe. Nous sommes ici à la Cité internationale universitaire de Paris, au Collège franco-britannique, pour notre deuxième émission de Génération Europe. Notre thème aujourd'hui, le citoyen européen. Existe-t-il vraiment? Nous en parlerons avec nos étudiants européens qui sont là, mais aussi avec notre invité, Ramayad. Bienvenue à vous tous. Alors d'emblée, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous vous sentez surtout citoyen européen ou plutôt national? Lisa. Je me sens allemande, mais je me sens aussi européenne. Donc par exemple, comme je vis ici en France, quand je parle avec des Français et je suis la seule allemande, je me sens quand même assez allemande et je vois les différences un peu entre moi et les Français ou ceux des autres nations. Mais quand je parle avec des gens qui ne viennent pas de l'Europe, ou aussi quand je suis avec un groupe d'Européens, surtout quand je suis avec un groupe de jeunes de mon âge, par exemple. Comme ici, par exemple. Voilà, là, tu te sens bien européenne. Oui, absolument. Là, ça va. Ouais. Qu'est-ce qui se sent plutôt national ou européen, Chloé? Alors, je me sens justement plus européenne parce que mon père est grec, ma mère est chypriote et je suis née à Paris. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est plus facile de dire Europe vu que j'ai trois... Mais tu as un passeport qui est d'où? De la République de Chypre, en fait. Et dessus, alors, est-ce que c'est écrit que tu es européenne? Et donc, non, l'Europe n'est pas mentionnée. Et quand, depuis quand tu l'as eu, ce passeport? En 2006, et c'était 2 ans après que Chypre ait adhéré à l'Union européenne. Et normalement, est-ce que ça apparaît sur tous les passeports? Par exemple, Johan, toi, tu es espagnol. Oui, je me sens plus européen qu'espagnol. Oui. Tu te sens plus européen qu'espagnol? Oui. Pourquoi? Oui. L'Espagne, c'est un État plurinational. Ma nation, c'est la catalane. Alors, nous faisons partie d'une union, c'est l'européenne. Alors, je ne me réveille pas avec tous les jours avec la... je suis européen, mais quand si tu me demandes, je suis... Oui, j'ai la... Mon sensation, c'est que je suis une citoyenne européenne. Oui. Et les Français, ils se sentent français ou ils se sentent européens? Je pense que c'est vraiment quand on quitte le continent, notamment, je ne sais pas si... Enfin, si quelques-uns voyagent un peu au Canada ou aux États-Unis, là, on se rend compte vraiment qu'il y a une culture européenne et qu'on est vu par les autres comme le vieux continent, comme, voilà, et plus même que, genre, en étant juste français ou parisien ou quoi que ce Donc soit. Donc, tu te sentirais européen dans le regard des autres, mais pas dans ton cœur à toi, quoi. Moi, je suis français, mais j'aimerais me sentir plus européen. Et sur le passeport, qu'est-ce qu'il y a écrit? Union européenne, République française. Et si tu compares par rapport à l'Espagne? Vous allez voir la taille. Par les mots, la différence, c'est qu'il n'y a pas République espagnole. Ouais. Ça, c'est la première différence, un peu, non? Espagnol, c'est écrit en énorme. Si une analyse psychologiquement. Des États? Oui. Des États, ça veut dire que la France. Est mieux dans sa peau. Et se sent peut-être plus européenne que les Espagnols, effectivement, ouais. Oui. Et puis il y a surtout le fait que l'Union européenne apparaît avant la République française. Et ça, c'est symboliquement, je veux dire, ça a quelque chose d'important, que les deux se mettent sur le même plan. Et Antonello, alors, toi, ton passeport italien? Malheureusement, je n'ai pas de passeport. Parce mais que par contre, il les faut en Italie. Mais par contre, il faut avoir un passeport. Un passeport. Mais parce que je n'ai jamais voyagé hors de l'Europe et donc je n'ai jamais eu besoin d'un passeport. Et peut-être maintenant que tout le monde sort son passeport, je me rends compte que ça pourrait être une expression de ce que l'Europe a bâti. Si moi, comme Italien, avec ma carte d'identité italienne, qu'en plus elle est bleu, à la place de tous les autres Italiens qui est marron, parce que je viens d'une région autonome qui est la Vallée d'Oste, tout au nord près du Mont Blanc, où il y a le jambon d'Oste, n'a rien à voir pour les Français. Le jambon d'Oste ne vient pas de la Vallée d'Oste. Si on cherche le jambon, on va pas chez toi. Exactement, d'accord. Le jambon d'Oste, les Français. Donc, OK. Et c'est tout à fait une région autonome et bilingue, donc ça fait rire parce que sur ma carte d'identité, il y a écrit Repubblica Italiana, République italienne. En français, du coup. Et du coup, j'ai jamais eu besoin de faire un passeport pour voyager en Europe. Ça, peut-être, c'est un symptôme du travail que l'Europe a fait. Allez, je vous propose de revenir tout de suite aux fondamentaux sur le sujet. On va parler de qu'est-ce qui définit le citoyen européen. Je vous propose tout de suite le reportage de Thierry Scharf, mis en image par Hugo Nicolas. C'est l'essentiel. Il faut bien le reconnaître, la construction de l'Europe s'est jusqu'ici surtout préoccupée d'économie. Ceci étant dit, depuis le traité de Maastricht de 1992, le citoyen européen est entré de plein droit dans les textes communautaires. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté européenne s'ajoute donc à la citoyenneté nationale.
D'ailleurs, la définition juridique du citoyen européen n'existe nulle part. Elle résulte d'une somme de textes issus de divers traités et d'arrêts de la Cour de justice européenne. De tout ça ressortent tout de même quatre grands droits spécifiques du citoyen européen. Premièrement, la libre circulation au sein de l'Europe. Réservé au départ aux seuls travailleurs, le droit de séjour s'est aujourd'hui élargi à tous. Au moins de façon théorique, car dans les faits, tous les citoyens européens ne jouissent pas de la même souplesse partout en Europe. Deuxième droit du citoyen européen, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et européennes. Mais pas question de devenir maire ou adjoint, non mais. Troisième droit du citoyen européen, la protection diplomatique et consulaire. Une façon de mettre à égalité tous les Européens à l'extérieur de l'Europe. Enfin, quatrième droit du citoyen européen, le droit de pétition devant le Parlement européen et de recours aux médiateurs européens. 1 million de citoyens issus de plusieurs pays peuvent inviter la Commission à soumettre une proposition d'acte juridique à l'Union sur un sujet particulier. Un droit tout nouveau mis en place en avril dernier. La citoyenneté européenne, un chantier à peine entamé. La citoyenneté européenne, un chantier, vient de dire Thierry Scharf. Qu'est-ce que tu en penses, Jules? C'est un chantier? Actuellement, je pense qu'une identité, ça se crée aussi parce qu'on a les mêmes droits, on a les mêmes conditions de vie, les mêmes conditions de travail, et c'est vraiment pas le cas actuellement. D'un pays à l'autre, les conditions de vie peuvent changer, les salaires varient énormément, et donc du coup, je pense que l'identité, ça se crée avant tout par ça, par des progrès sociaux, et c'est pas le cas actuellement. Lorraine? Moi, je me sens très européenne aussi parce que je suis née aux Pays-Bas, je suis partie faire mes études en Angleterre, et je pense que quand on est européen, on a toutes ces possibilités qui s'ouvrent et que dans certaines autres régions du monde, c'est pas forcément possible. Et je pense que le chantier européen est, personnellement, quasiment terminé. On va continuer à parler de la citoyenneté européenne. Est-ce qu'on se sent citoyen européen ou pas? Est-ce qu'on l'est? Et qu'est-ce qui fait qu'on l'est? Je vous propose qu'on accueille tout de suite notre invité aujourd'hui, qui est Ramayad. Bonjour. Ça a un sens pour vous d'être citoyen européen? Je le suis sur le papier. Je le suis quand je suis hors des frontières européennes. Mais c'est, pour moi, c'est encore un chantier en construction. On vous avait proposé d'être députée européenne il y a 5 ans. L'Europe vous rattrape maintenant. Est-ce que vous avez l'impression que la façon de se sentir européen a changé sur les 5 dernières années? Ce chantier, il se fait, il se mène? Je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut faire mieux parce que depuis en 5 ans, bon, il y a le traité de Lisbonne qui est entré en vigueur, mais ça s'est passé dans des circonstances quand même assez difficiles puisque les votes nationaux n'étaient pas forcément favorables. Quand il y a eu vote, et quand il n'y a pas eu vote, c'est-à-dire qu'on est passé par le Parlement, là, les contestations des europhobes et des eurosceptiques ont été quand même fortes sur le thème, parce qu'on a rejeté le traité de 2005, vous passez par la fenêtre via le traité de Lisbonne. Donc il y a quand même encore un travail de pédagogie à faire, d'information. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais 2013, c'est l'année du citoyen européen. Normalement, voilà, il aurait fallu qu'il se passe des choses, que le citoyen européen s'élève pour célébrer. On a attendu début 2014 maintenant pour le faire. Écoutez, peut-être qu'il vaut mieux, mais en tout cas pour l'Union européenne, c'est l'année du citoyen européen. Ça implique quoi? On ne sait pas justement, parce que rien ne s'est vu. Peut-être que des choses sont faites, mais rien ne s'est vu. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas tant est-ce que le citoyen européen existe que comment on le fait vivre, comment on le met en avant. Comment il existe dans l'espace politique, économique, social, culturel. Donc c'est ça peut-être sur lequel il faut travailler. Moi, je serais pour qu'il y ait, je sais pas moi, un TV5 ou un RFI européen pour qu'on ait les infos qui viennent d'abord de l'Europe. Mais il y a Euronews. Ouais, mais vous voyez, il faut mettre plus en avant ça. Et puis il faut aller dans le canal, je sais pas combien, loin derrière Public Sénat pour avoir Euronews. Et puis les élections européennes, par exemple, c'est le cas depuis 119, mais on devrait voter le même jour, peut-être pour donner un sentiment d'appartenir, voilà. À une même, à est-ce qu'il n'y a pas aussi autre chose? C'est-à-dire que, est-ce que vous commenciez à l'évoquer sur comment s'est construit un petit peu le citoyen européen, mais est-ce qu'il n'est pas tout simplement juste défini par rapport au droit et à la loi? Oui. C'est vrai qu'il y a une sorte de manque de visibilité là-dessus, et les institutions européennes justement sont quand même assez mauvaises là-dessus pour expliquer ce qui se passe et être clair, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que, une citoyenneté, c'est pas que des droits, c'est aussi une culture, c'est un sentiment d'appartenir à une communauté. Puisqu'on parle de nationalité européenne, et si on allait un petit peu plus loin, écoutez ce que vous propose tout de suite notre partenaire de Technicart, Olivier Manuit.
Je crois que ce qui est clair pour beaucoup de gens, c'est que l'identité européenne, c'est d'abord des valeurs communes, la liberté, la libre circulation des personnes et puis la démocratie. Un jour, nous aurons peut-être un passeport européen, nous tous, une identité juridique européenne. Mais à quoi ça nous servirait vraiment d'avoir une identité européenne à une époque où on voit qu'on s'intéresse de plus en plus en même temps au local, au terroir, bref, à ce qui fait qu'on est une petite partie de l'Europe et pas un vaste ensemble. Il parle d'une identité européenne et savoir ce que ça veut dire dans un monde qui devient de plus en plus local, etc. Mais ce mouvement-là, il se fait quand même à côté d'un autre mouvement qui est assez important, qui s'appelle la mondialisation, et c'est là-dessus que l'identité européenne, elle est vraiment importante. À mon avis, c'est à l'extérieur de l'Europe, c'est pour exister dans une mondialisation qui devient de plus en plus compliquée à assumer pour une France qui reste compétitive, mais qui a quelques problèmes vis-à-vis de la Chine et des puissances émergentes. Et l'Union européenne, c'est quand même le premier marché mondial. 500 millions d'habitants, de consommateurs aussi, et si on veut exister, à mon avis... Dans cette course-là, c'est là-dessus qu'il faut. Donc ça protège en effet face à la globalisation, à la mondialisation. Il n'empêche que face au régionalisme, on le voit bien avec notre catalan et on le voit bien avec notre Val d'Aostien. Val d'Autun. Val d'Autun, pardon, je ne le dis pas assez souvent. Que mine de rien, est-ce que c'est pas aussi. L'Europe, c'est pas aussi la solution face à la nation à laquelle peut-être vous ne croyez pas tant que ça. L'Italie, tu y crois ? Je crois plus à l'Europe, évidemment, mais parce que quand même l'État-nation italien des issues historiques n'a jamais existé. Par contre, je me perçois Val d'Autun, je suis content de mon autonomie de ma région, et pourtant, pour moi, c'est plus simple de me concevoir européenne que italien. C'est le même que moi, je me sens catalan. Et après, si tu veux faire une échelle, je suis catalan, je suis barcelonais, je suis catalan, je suis européen. Tu es Johan, tu es barcelonais, tu es européen. J'ai confiance plus avec l'Europe que pas avec l'Espagne. C'est intéressant parce que le régionalisme n'est pas forcément un débat contre l'européanisme. Exact, non, c'est complémentaire. C'est même une complicité. Exact. En ce sens où tous les mouvements régionaux ont pu se protéger grâce à l'Europe. Ouais. Et donc les régionalistes comme les Européens s'entendent sur le dos des nations finalement. Moi par exemple, je me sens français. Dans le sens où, parce que je sais que tous les Français ont les mêmes droits, je reviens un peu sur cette histoire de droits sociaux, mais ça me semble important quand même. Le jour où tout ça sera peut-être harmonisé vers le haut, peut-être qu'il y aura une identité européenne. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que là, on est rassemblés ici, on est tous à peu près étudiants, il y a des gens qui peuvent venir en Erasmus et tout, mais ce n'est pas la majorité des gens, et ce n'est pas la majorité des jeunes, notamment pour l'Erasmus. Parce que qu'on soit français, espagnol et tout, pour partir en Erasmus, il y a des bourses, etc., mais c'est jamais suffisant. Oui, et ça c'est une chose de ravieuse actualité, parce que le ministre de Culture et d'Éducation de l'Espagne, le seigneur Bert, il voulait quitter la bourse à les étudiants Erasmus. Il voulait arrêter cette bourse la bourse à cause de la crise. La solution, c'est arrêter. C'est une chose très, très mauvaise. Je ne peux pas... aller en Erasmus, habiter à Paris, c'est une ville un peu chère. Alors ça veut dire que si je n'ai pas d'aide pour étudier, pour être ici, il n'y a pas de sens de faire ça. Tu ne peux pas le faire. Alors, tu peux pas en tenir l'autre. Moi, sans, je pense, ma région, je ne serais absolument pas ici parce que l'État italien, je pense qu'il, du point de vue de l'instruction, s'est mis encore pire que l'État, comme l'État espagnol. Donc même, moi, je ne suis pas en Erasmus, je fais un double diplôme en droit italien et français et j'ai reçu rien de l'État et de mon université italienne. Donc c'est seulement grâce à ma région que je suis là. Et tes parents aussi. Et mes parents, évidemment. Oui, oui mais ça montre aussi que ça dépend des milieux, oui, Louis. Oui, mais c'est un vrai problème parce que c'est vrai que les Erasmus, c'est ouvert à 3%, je crois, des étudiants en France. Et c'est absolument rien. Surtout quand on sait que le budget au niveau européen est en train de saper complètement les bourses, etc. C'est vraiment le fondement d'une découverte des autres pays, d'une création d'un vrai sentiment d'appartenance. Quoi. C'est par là qu'on construit le citoyen européen. Évidemment. Oui. On parle d'Erasmus, on parle des programmes pour les jeunes pour justement leur permettre de se déplacer et d'étudier dans d'autres pays. Quid de la mobilité dans le travail aujourd'hui en Europe? Bien, Antonello est allé enquêter, il a fait le Tintin reporter à son tour, il a été guidé par Thierry Scharf. On suit cette petite pérégrination dans Paris à la recherche d'informations sur la mobilité dans le travail.
Benvenuti, venez. Antonello, étudiant Erasmus en droit français et italien, la cité universitaire internationale, il connaît bien. C'est là qu'il vit. Je suis pas seulement italien, mais je viens de la Valle d'Aoste. Ça, c'est le petit drapeau. Très attaché à sa région, Antonello est aussi un catholique pratiquant qui sert régulièrement la messe à Notre-Dame. Étudier en Europe, c'est simple. Mais pour ceux qui veulent travailler, allons voir. Si la mobilité de l'emploi est garantie par le droit européen, dans la réalité et malgré la crise, les Européens bougent très peu. Sciences Po de Paris, oh. Rendez-vous avec Catherine Devenden, spécialiste des questions migratoires. C'est un élément de la citoyenneté européenne qui prend beaucoup de retard par rapport à beaucoup de droits. Et jusqu'en 2004, 3% seulement des Européens travaillaient dans un autre pays européen que le leur. Ce qui veut dire que les Européens profitaient peu, finalement, de cette possibilité de s'expatrier dans un autre pays européen. Ceux qui vivent déjà en Européen et en travailleurs européens à l'intérieur de l'Europe, ce sont les plus qualifiés. Et non, contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les femmes de ménage bulgares, ni même le plombier polonais qui constituent le plus gros des troupes des migrants européens. Mais avoir des diplômes ne garantit pas de trouver un job de niveau équivalent. Et maintenant, un petit rayon du soleil. On va voir une compatriote italienne, Giuliana. Giuliana est plutôt chanceuse. Venue rejoindre son amoureux qui a été muté à Paris, elle a décroché un CDI en 3 mois. Mais elle, qui était agent territorial d'une petite ville du Piémont, a dû accepter un emploi de vendeuse. Giuliana, italienne à l'estero, je me sens un peu chez moi, dans un traiteur italien. Quelle est ton expérience? Mon expérience, c'est que c'est possible de travailler à Paris, parce qu'il y a du travail. Je crois que c'est important d'être un peu adaptable. Hein, peut-être on ne trouve pas toujours le travail qu'on faisait en avance. Pour moi, c'est ça. Hein. En Italie, j'étais un technicien. Maintenant, j'ai changé complètement de domaine. Et ça, c'est important peut-être à prévoir. On voit donc Giuliana, hein, que tu as rencontré Antonello, parce que ça montre que la mobilité européenne est si évidente que ça, Théo. Oui, donc on a entendu dans le reportage que seulement 3% des Européens travaillent à l'étranger. On peut dire seulement 3%, mais on peut dire 3%, c'est déjà pas mal. Mais 3%, effectivement, ça dépend. Moi, j'adore toujours les visions positives en général, optimistiques. Tu peux le regarder avec un avis négatif, et donc c'est seulement le 3%, ou tu peux le regarder avec un avis positif. T'arrives à ma question. Tu trouves ça comment? Positif? Positif, évidemment. Oui. Et tu penses que ça va évoluer? Tu penses, par exemple, toi, tu vas travailler en Italie ou en France? Ah, ma question personnelle. Travailler, je pense que je voudrais rentrer dans ma région Valle d'Aosta avec les chèvres, les vaches, parce que moi j'adore ma région, mais avec tout ce bagage culturel et surtout cette ouverture. D'accord, avec cette volonté de rentrer chez soi. Ramaya, qu'est-ce que ça vous inspire finalement de se dire qu'on se déplace pour aller voir ailleurs, mais on est bien chez soi quand même? Ça prouve qu'en fait la citoyenneté européenne est quand même un privilège. Un privilège sur le plan politique, dans la mesure où on est dans un continent qui finalement, malgré ses difficultés, présente certains avantages. Hein. Il vaut mieux être européen que d'être ressortissant de pays où les droits de l'homme sont bafoués. Mais en même temps, c'est un privilège sur le plan économique aussi. On n'est pas européen par hasard, on est européen parce qu'on a les moyens de sortir de son pays, d'aller ailleurs. Quand on regarde le cas de la France, par exemple, c'est tellement difficile de passer, on le voit pour quand on propose des emplois dans la région d'à côté à un chômeur, c'est pas un détail, quoi. La circulation est complexe. Qui refuse un emploi parce que c'est un autre département, une autre région. Et quand on est ressortissant d'un petit village, celui du village d'à côté, c'est l'étranger. Donc vous imaginez l'Europe. Antonello, on va retourner dans le monde du travail mobile et on y revient juste après. Tiens, Rome. Sur la ligne 2, l'Europe, elle est vraiment petite. Avec l'Europe, pas besoin d'aller très loin pour exploiter la misère de son voisin, surtout par temps de crise. C'est le cas de travailleurs portugais embauchés dans le Languedoc par un patron d'une exploitation viticole appliquant le niveau de salaire portugais. Je travaillais tous les jours de la semaine, j'avais pas un jour de congé. Et j'étais payé 500 euros, je faisais 12, 13, 14 heures, ça dépend des jours.
500 euros, soit l'équivalent d'un SMIC portugais. La parade, des fiches de paie déclarant à mi-temps, une pratique répandue mais tout à fait frauduleuse. Petite visite à la CGT, une première pour Antonello, qui a pu s'essayer un nouveau look. Le syndicat français dénonce l'émergence de nouveaux travailleurs européens low cost, rendus possibles par certaines failles de la réglementation européenne. C'est le cas, par exemple, des travailleurs détachés. Un salarié, par exemple, qui vient travailler en France et dont le contrat a été signé ailleurs qu'en France, pendant 2 ans, 24 mois, il est possible que les cotisations sociales que paye son employeur soient celles du pays d'origine de ce salarié. Donc on arrive à des différences, on va dire, de coût salarial global de 30 à 40%. Pour moi, c'est de la libre concurrence totalement faussée. Et donc, quelle Europe on veut construire? Est-ce que c'est une Europe avec du dumping social ou bien c'est une Europe avec une harmonisation vers le haut des droits pour les salariés? Est-ce que vous avez l'impression que créer ainsi la mobilité dans le travail, la favoriser pour certains, c'est finalement créer des travailleurs low cost, Jules ? Je pense pour ceux qui ont fait cette Europe-là, oui. Il y a un autre exemple que les travailleurs détachés, c'est pas contre l'ISA, parce qu'elle y est pour rien, mais l'Allemagne, par exemple, est en train de passer des partenariats avec la Grèce, par exemple, pour faire venir des jeunes travailleurs grecs, des jeunes diplômés, qui vont travailler avec les salaires minimums de la Grèce. Et ça, effectivement, ça crée de la concurrence entre les travailleurs des différentes nationalités. Enfin, on ne peut pas d'un côté pleurer qu'il n'y a pas d'identité européenne, que les gens sont eurosceptiques, et d'un côté, en fait, construire quotidiennement la concurrence entre les gens, entre les citoyens européens. On sait que les modèles économiques de tous les pays européens, premièrement, sont différents, qui ne sont pas dans le même état. L'Allemagne vient de passer un SMIC, qui était déjà une réussite sociale, mais malheureusement, on n'est pas un État fédéral. Il est voté ou il n'est pas voté? Non, pas encore. Non, en tout cas, Merkel l'a promis. Oui. Par contre, j'ai pas dit que, enfin, du jour au lendemain, qu'on allait mettre un SMIC à 1200 euros par mois dans tous les pays. En revanche, ce qui est possible, mais c'est par exemple, fédéral, c'est, non, mais, non mais ce qui est possible, en revanche, c'est un salaire, par exemple, proportionnel au salaire minimum du pays, un SMIC proportionnel au salaire minimum du pays. Donc, disons un SMIC 20% au-dessus du salaire minimum du pays dans chaque pays, ça c'est possible. Et ça, déjà, c'est déjà une avancée qui permet d'éviter la concurrence, etc. Et la deuxième chose, c'est que quand un travailleur travaille dans un pays, il paye les charges sociales du pays et pas les charges sociales de son pays d'origine. Est-ce qu'on est en train de créer des travailleurs locaux selon vous, Ramayad ? Je pense qu'il y a deux solutions en attendant un jour une harmonisation. D'abord sur la question de l'élargissement. Parce que c'est ça en fait. Tant qu'on était des pays à peu près similaires en termes de poids économique, ça allait. Mais quand plus vous élargissez à des pays où les différences sociales et réglementaires sont tellement fortes, et bien vous êtes confronté de plus en plus à ce problème. Donc je pense que pour l'élargissement, il faut peut-être aller moins vite. Et deuxièmement, travailler sur la croissance. Parce que quand le travail est rare, eh ben voilà, vous avez une concurrence entre les pauvres. Parce que c'est à ça qu'on est réduit. C'est-à-dire que c'est les pauvres des pays du plombier polonais ou autres qui sont confrontés à nos pauvres de chez nous et qui raflent la mise. Pardon de tenir un vocabulaire un peu militant, mais c'est l'employeur qui va essayer, à travers les différentes réglementations, en les contournant, en jouant du droit, parce qu'il y a des avocats qui permettent de faire ça. Et parce que le droit surtout permet de le faire. De profiter de cette situation. Donc à un moment donné, plutôt que de se partager un travail qui se fait de plus en plus rare entre des gens qui sont pauvres, eh bien, il faut peut-être poser la question de la croissance. Et c'est là, encore une fois, que moi, j'interpellerais volontiers les autorités monétaires européennes qui ont fait des choix qui, peut-être, à un moment, s'imposaient de lutte drastique contre l'inflation, mais la contrepartie de ça, ça a été une croissance bas niveau, donc low cost. J'aimerais qu'on termine par la question là, de notre partenaire Atlantico. On va parler maintenant de la question de la solidarité. Est-ce que ça ne définit pas aussi le citoyen européen ? Il y a quelque chose qui était vraiment marquant pendant la crise de la dette depuis 2008, c'est que ni les Allemands ni les Français n'avaient envie de payer pour les déficits des Grecs. Aux États-Unis, qui sont aussi une zone monétaire commune avec le dollar, le Massachusetts ne se pose jamais la question de renflouer les caisses du Kentucky ou de l'Alabama s'ils en ont besoin. Donc jusqu'à présent, la citoyenneté européenne, elle était beaucoup construite sur du juridique, sur du respect des règles. Comment est-ce qu'on fait pour créer une citoyenneté où il y ait un peu plus d'identité, un peu plus de solidarité ? Lorraine, Théo, qui veut réagir ? Je pense que de manière paradoxale, la crise a réussi à nous faire réaliser que nous sommes responsables des uns des autres, qu'il faut s'occuper aussi de l'économie grecque, portugaise, espagnole. Même si c'est difficile, ça crée l'identité européenne. Parce que ça n'a pas créé du repli, selon toi ? Ça a créé de la solidarité, la crise ?
Oui, enfin, non, je ne dis pas que ça a créé de la solidarité, je crois que ça a créé, enfin, on a réalisé... Une conscience. La conscience européenne, on a réalisé que finalement, on était tous liés les uns aux autres et qu'il fallait qu'on apprenne à travailler ensemble. Lié ou dépendant, Johan, selon toi? J'ai vu un reportage en Espagne qui parlait de la solidarité comme la nouvelle colonialisme. L'Allemagne, il voit un pays avec beaucoup de problèmes et il l'aide, mais il contrôle ce pays. Alors, je pense que oui, il existe déjà une citoyenne européenne. Il faut qu'elle existe, mais avec une solidarité sans un but monétaire. Il faut être solidaire et désintéressé, Jules. Ouais. Bah, je pense que les seuls à se sentir citoyens européens actuellement, c'est les élites en fait. Mais pour une raison, qu'en fait, elles sont toujours senties européennes, les élites, même à l'époque des monarchies, avant les États-nations, elles se sentaient déjà européennes. Et le jour où, en revanche, le reste de la population, et enfin, en vrai, l'entière population se sentira citoyenne européenne, c'est le jour où l'Europe sera synonyme de progrès social et de démocratie, ce qui n'est pas du tout actuellement le cas. Antonello. En concluant, ça me vient à l'esprit une devise. Au début de l'unification italienne, on utilisait cette phrase. Maintenant, on a fait l'Italie, il faut faire les Italiens. Je pense de ne pas faire un anachronisme en la réutilisant maintenant. Ça veut dire qu'on est en train de faire l'Europe, mais on peut dire que maintenant on a fait l'Europe, il faut faire les Européens. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Merci Antonello. Ramayad, au vu de tous ces échanges et de ce que vous pensiez déjà avant, la citoyenneté européenne, vaste programme. Vaste programme, ça prendra du temps. Mais je pense qu'on finira par y arriver. D'abord parce que par rapport au reste du monde, les Européens, ça existe aux yeux des autres. Reste à ce que ça existe à nos yeux, à nous. On est à la veille d'élections européennes en France et on nous prédit que le premier parti de France, c'est le Front National, qui est le parti le plus europhobe. La France, moteur, enfin pays fondateur de l'Union européenne, moteur du couple franco-allemand, donc pas n'importe quel pays, où le premier parti de France, ce serait le parti le plus europhobe. C'est quand même inquiétant et je me pose toujours la question de savoir pourquoi ceux qui critiquent l'Europe envoient à Bruxelles des gens qui veulent. Envoient des europhobes. Il faut envoyer des gens européens convaincus, mais critiques. Merci beaucoup, Ramayad. Merci. Pour le prochain numéro de Génération Europe, on se retrouvera et justement, on posera la question de quelle Europe voulez-vous ? La voulez-vous sociale, politique ou économique ? C'est au prochain numéro. À bientôt.